La PS2 qui ronfle à chaque fois que je la lance. Oui! Et regardez ce que j'ai fait! Regardez comme c'est beau! Je me suis un peu cassé le cul. Non, c'est pas vrai. Je fais ça en 2 secondes tout à l'heure. L'engrenage en métal solide. Est-ce qu'on pourrait vraiment traduire ça? Engrenage? Gear, c'est plus dans le synonyme d'équipement, non? C'est plus ça, non? D'équipement en métal solide? Comment on peut traduire Gear, attends? Merde, j'ai pas écrit le bon mot. J'ai écrit gare. L'outil. Ouais, mais voilà, on est plus dans une notion, voilà, d'équipement militaire, de choses comme ça, quoi. C'est le gear. C'est l'équipement, quoi. Ah, je suis mal calé. Attendez. Je vais me remettre comme ça. Oh non, je suis bien en fait comme ça. Ah mais dis donc. J'en profitais pour recadrer un petit peu l'écran parce qu'effectivement il y a un problème. Merde. On la re-regarde hein, parce que cette intro et cette OST tabasse des fions. Qu'est-ce que j'ai écouté, putain? On termine la petite soupe miso pour se mettre dans l'ambiance. Engrenage, ça compte. D'accord. Et demain, Linkin Park fait une annonce. Oh. Je sais pas, moi j'ai jamais été Linkin Park. Bah si, j'aimais bien le chanteur qui est mort, quoi. Je trouve que c'était le seul sauvable dans le groupe. Paix à son âne. Bonsoir, psychocommuniste. C'est marrant de mettre les dialogues de GS12 sur l'information qui devient de plus en plus futile sur le net avec un... Oui, oui. Avec en fond du brain rot ultra cliché. Il y a tellement de choses à faire avec ce jeu. Je trouve que niveau même et tout ça et tout, Rising Revengeance en a une chier des tonnes de même, alors que MGS2, qui est pourtant ultra iconique, qui est un des meilleurs opus de la saga, il n'y a pas grand chose dessus. Alors pourtant, il y a de la matière. Hein. Et en termes de prédiction, ça se pose là quand même. Fallait être sacrément clairvoyant au début des années 2000 pour savoir que effectivement 20 ans plus tard, ça allait être la sauce, exactement la même sauce. Bonsoir Chad, c'est pas grave, moi aussi j'étais en retard, mais personne n'est en retard ici, à part le streamer, personne n'est en retard. En vrai, un collègue Paris, il aurait tort, mais il est intéressant. Le groupe se reforme avec Chester en IA. Ouh, IA, caca. Par curiosité, je suis intrigué. Moi, j'en ai ras le cul de l'IA, moi. Ça me pompe le derche. Bon, déjà, dès le début, ça me casse les couilles, mais là, ça, maintenant, ça, on est arrivé au stade où ça me pompe le derche. Donc, c'est vraiment... Tuez-moi cette technologie de merde. Une bonne fois pour toutes, qu'elles ne servent plus que pour des trucs ultra précis. Mais voilà quoi. Ah
Un groupe selon son chanteur IA, ça m'intrigue. C'est, mais il n'y a pas eu déjà eu. Ils ont refait les Beatles en IA, souvenez-vous. Laisser les gens morts, quoi. Laisser les trucs d'avant à l'avant. À l'arrière, et après, faisons des trucs autres, quoi. Enfin, et ça aussi, c'est chiant parce que ça va avec toute cette culture. C'est paradoxal parce qu'on est dans une culture de l'ultra hype non-stop, mais on n'est pas foutu de se sortir d'une putain de nostalgie cyclique. Et ça, ça broie les couilles aussi. Tiens, il y a la bande-annonce du film Minecraft qui est sorti là cet après-midi. Ça a l'air nul à chier. Déjà, je suis pas fan de Minecraft et tout, même si j'avais envie de jouer à une époque. J'ai jamais fait, je connais pas particulièrement. Enfin, je connais 2-3 trucs, mais bon, voilà quoi. Ça donne pas envie de ouf. Enfin, c'est. Puis encore Jack Black dans un truc de geek. Regardez les jeux vidéo, tout ça, machin. Dans un truc qui ressemble à Jumanji en plus, donc. Au secours, quoi. Popol en IA. Ça fera pas disparaître la techno, mais l'engouement. Si l'engouement se calme, ce sera déjà vachement bien. Ouais. Je suis d'accord. Non, puis maintenant, il y a Jean-Michel, bureaucrate de 50 balais qui connaît rien, qui se dit, oh, c'est ultra cool, l'IA, on va en mettre partout, mais qui sait pas de quoi il parle et qui sait pas que. Enfin. Et ça, il y en a de plus en plus, des abrutis de décideurs qui savent pas. Enfin, ça fait longtemps qu'on est à la merci de ces gens-là, mais bon, le problème, c'est que, voilà, ils voient l'IA, ils deviennent fous, quoi. Ils bandent comme des cons alors qu'ils comprennent rien. Ils voient rendement, ils voient argent, ils voient économie. Et ils voient pas destruction d'emploi, ils voient pas destruction de la culture, ils voient pas tout ça, quoi. Vol d'œuvres aussi, hein, pour. Enfin, bref. Tu dis quoi, Chad ? Un truc rigolo en ce moment avec l'IA pour les images, c'est que comme elles utilisent le net pour les images de référence, pour l'apprentissage, elles commencent à se corrompre. Oui, on commence à arriver au bout où elles se. Elles ont tellement inondé. On a tellement inondé Internet avec des images générées par IA qu'elles commencent à apprendre avec leurs propres images. Du coup, ça va de moins en moins ressembler à quelque chose, quoi. Moi, j'aimerais bien que ça se tue comme ça, en fait, quoi. On se rende compte que, ah ouais, voilà. Mais bon, après, les trucs comme ChatGPT, ça, je pense que ça va rester, quoi. Je parle pas de la techno, je parle de l'engouement financier qui est investi dans les startups. Oui, bah, c'est ce que je dis. Il n'y a pas que dans les startups, hein. Dans les administrations publiques aussi. Hein. Ben justement, les Jean-Michel, je fous l'IA partout, sont de plus en plus en train de déchanter. D'accord. Bah, tant mieux, alors. La bulle n'a pas encore éclaté, mais ça va pas tarder. Ouais. Il y a plein de gens qui disent ça, effectivement. C'est vrai que ça fait déjà quelques années, hein, mine de rien, que c'est rentré là, que ça a tout chamboulé, cette merde. Mais ouais. Vivement que cette bulle éclate, et vivement aussi que la bulle des youtubeurs storytelling éclate aussi. Et la bulle des youtubeurs qui font des vidéos de plus de 45 minutes éclate aussi. Excite le mec qui va sortir une vidéo d'une heure, mais bon. Là, c'est une vidéo spéciale, ok. Je vais peut-être la couper en deux, d'ailleurs. L'IA mange son propre caca, c'est ça. L'image est bonne, j'aime bien. Puis les boîtes se rendent enfin compte que ça coûte une blinde. Puis ça pollue de ouf aussi, putain, c'est ça le truc. Putain, les gens, ils se rendent pas compte, hein, mais. La note d'électricité coûte plus cher que des esclaves, des employés. J'ai dit employés, oui, tout à fait. On a avancé dans le jeu, j'ai appuyé sur un bouton. Là, faut pas se leurrer, l'IA restera là. C'est une technologie. Ah bah maintenant que c'est là, c'est. Voilà, c'est. Tu peux pas effacer le truc, tu peux pas revenir en arrière et pouf pouf, coup de baguette magique, ça n'existe plus, non. Maintenant c'est là, il faut faire avec. Mais il faut réguler le truc, quoi. Après, quand c'est pour faire du shitpost et des conneries sur internet, moi je trouve ça super marrant. Comme quand on s'est approprié Photoshop au début des années 2000 et qu'on a commencé à faire plein de mèmes et de photomontage là-dessus. Et puis après, les logiciels de montage vidéo fin des années 2000, début 2010 pour faire des YouTube ou des trucs comme ça. Là, c'est cool. Quand c'est dans ce genre d'utilisation, moi je trouve ça cool. Mais quand c'est pour faire du fric et des économies, soi-disant, et remplacer des boulots, moi je suis pas d'accord. Hein.
Quand je travaillais en usine, j'ai eu un stagiaire qui recherchait ses réponses à chaque fois sur ChatGPT. Oh. Catastrophe, il comprenait rien. Oh. Bah, on avait déjà switché. Ça fait déjà un moment que les gens ils cherchent plus des trucs sur internet via Google, mais qu'ils vont utiliser par exemple le moteur de recherche de YouTube pour chercher des trucs. Ou de TikTok. La recherche de TikTok qui est éclatée d'ailleurs au passage. Encore pire que celui de Twitch. Mais non, peut-être pas non plus. Mais mais voilà, on était déjà dans la méta des gens qui cherchent, qui ne cherchent plus sur un moteur de recherche traditionnel, pourtant pour fouiller des pages ou des trucs comme ça, mais tout de suite pour trouver la vidéo sur les applis de vidéo, quoi. Et ouais, effectivement, maintenant on est rentré dans la nouvelle méta, c'est demander à ChatGPT directement. Et là, je trouve ça catastrophique, parce que quand on voit à quel point il est à côté de la plaque pour pas mal de trucs, ChatGPT. L'IA dans la recherche de médicaments, pathologies, etc. C'est cool. Ah oui, non, mais voilà, mais je veux dire, utiliser à bon escient, c'est ce que j'entendais par là, quoi. Par, à petite dose et pour des trucs précis, qui ne sont pas pour faire du fric, mais pour faire avancer la société, pour rendre des choses compliquées plus simples, mais pas pour faire des économies, virer des gens, remplacer des boulots. Et shit, et remplir le net de scam de merde à rédiger sous ChatGPT. Voilà quoi. Elle te trouve la réponse que t'aurais mis 5 minutes à trouver sur Google. Ouais, mais voilà, les gens ont plus. Enfin, les gens savent plus. Enfin, bref. On va pas commencer. Je lance la partie, enfin. Voilà. En plus, il est 20h02. L'heure de jouer à Metal Gear Solid 2. Sur PlayStation 2, en 2002, non. Ah oui, 20h02, ça fait 2002, l'année de sortie du jeu. Que je rappelle que j'ai pas joué en 2002. Ah oui, alors, voilà, je m'étais mis là, parce que il faut que j'aille dans l'eau. Parce qu'on en était à, il faut aller chercher la sœur de Alemrich, donc Emma, Iaia, Emma Iaia, de son prénom. Et, est-ce que je regarderai pas, parce que il me semble, alors je sais pas si c'est avant ou après, mais il me semble qu'il y a un combat contre Vamp. Non, c'est l'autre bouton. Il faut que je me remette un petit peu dans les bails. Ok. Merde, c'est pas ça. C'est X. C'est X. On va dire qu'on va y arriver. Bonsoir Mirouf, comme Sylvain. Bienvenue, premier message sur le chat, waouh. Il y a une belle phrase d'un artiste. Je voulais une IA pour qu'elle fasse mon ménage et que je fasse plus d'art et non l'inverse. C'est pas mal en effet. Alors je vois que Coach a eu le même réflexe que moi. Désolé Mirouf. C'était pas pour te bully. Comment on avance déjà? Merde, j'ai oublié. C'est rond. Bon, ça commence très mal. Attends, petit homme dauphin. Joli dauphin! Pas trop loin, on va déjà. Voilà. What? Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. Ce qui sera marqué sur ma tombe. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. Et oui, sinon c'est pas drôle. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was. Il vient de traiter de sa sœur de morue ou ou j'hallucine. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was survived the ordeal. Yeah, but my father didn't. En fait, je la regardais en branlant en train de se noyer. Seems to believe that was the case. The fact is,
I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that E.E. couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Je monte un peu le son. If she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her? Ah oui, bien sûr, on va faire ça, oui, c'est vrai. Still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the codec. I'll do that. Wet and Miserable, c'est le titre de ma sex tape. Je suis peut-être un dauphin, mais je suis aussi un avocat. Ah, c'est dans South Park, c'est quand Gérald il se transforme en dauphin. N'empêche, le gars à gauche, il lui met une barbe et c'est JDG. Le gars à gauche ? Celui avec... Ah, Otacon ! La version PS2 ? Tout à fait ! Tout à fait ! En passant, encore une fois, par des boîtiers de conversion qui fait que des fois, il y a des petits problèmes de jouabilité. Et aussi du fait que bah, la jouabilité est à l'ancienne, donc des fois il y a des trucs qui ont vieilli, n'est-ce pas? Attends, déjà je suis pas dans le bon sens. C'est cette époque où les personnages et les protagonistes des jeux en 3D sont des tractopelles. On reprend un petit peu et on y retourne. Tant pis, la caméra n'est pas inversée. Du coup, ça. Oh là là, je vois rien, c'est affolant. J'ai l'habitude que la caméra soit inversée dans ce genre de truc. Mais là, c'est pas le cas, du coup. Un peu. C'est comme dans la... comme si on était dans la vraie eau, on voit rien du tout. Je me suis mis sur un challenge FFX sans se faire... Oui, bah je sais, tu m'as déjà dit la dernière fois et au fait ça avance bien. Tu fais ça en stream ou... Tractopelle Coon. J'aime beaucoup le système de pression de la DualShock sur ce jeu. Il permet de viser sans tirer. J'ai des problèmes avec la visée à la première personne. Je me souvenais pas, hein, parce que bon, c'est... On est le mercredi, je suis dans un cycle où je refais les jeux que j'ai joués depuis mon enfance. Et celui-là, j'avais joué en 2007, j'avais beaucoup aimé. Et, mais je me souvenais pas que la jouabilité était aussi rigide. Et au contraire d'ailleurs, puisqu'à l'époque, c'était un banger de jeu. Mais ça l'est toujours, hein, mais je pense que c'est mieux à faire sur émulateur ou dans une compile HD remis au goût du jour avec un meilleur taux de rafraîchissement, ce genre de truc, et pas de lag à la con, n'est-ce pas, hein, comme on peut le subir en jouant à des jeux rétro sur des consoles rétro, analogiques. Mais quand tu vises à la première personne, ce galère, c'est... Enfin, tu sens, tu pousses... Il a du mal de... Comment dire, de lever ou de baisser ou d'aller sur les côtés, donc tu pousses à fond le joystick et d'un seul coup il part, et du coup ça fait que tu es en permanence en train de dire comme si t'étais bourré, et c'est plutôt désagréable, je trouve. Je suis sur la plaine foudroyée. Ah ouais, déjà. Ah, j'adore la plaine foudroyée, c'était un de mes endroits. J'ai pexé un petit peu là-dessus, dans cet endroit à l'époque. Et la musique et tout. Très bien. Bon, on va commencer sur un combat de boss, du coup, si ma mémoire est bonne. Et pas n'importe quel combat de boss, le plus chiant, enfin un des plus chiants.
Bah bien sûr tu peux pas pexer, mais... Ah bah ça t'empêche pas, c'est pas parce que tu utilises pas le sphérique que tu peux pas pexer, hein. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Ouais, ouais, je connais la strat Mirouf, mais c'est c'est compliqué de surprendre le gameplay comme ça, quoi. Que passer d'un mode de visée à un autre, c'est extrêmement lent par rapport aux actions des autres PNJ, enfin des autres mobs, et du coup j'ai galéré contre Fatman. Alors qu'à l'époque je galérais beaucoup moins. Par la taille de cette langue. C'est tellement ASMR. Le mec, il a une voix toute douce. Il y a de l'eau. But she served as well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. Le son est bon, en fait. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? J'augmente un petit peu parce que. This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat insulated compression. It was a top secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Ah, c'est l'Arcom, c'est la naissance de l'Arcom. We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Non. Je vais tellement pas y arriver. Merde, c'est pas grave. Oh là là. C'est vrai qu'il y a une musique de boîte de nuit. Ah mais non, faut pas que je réputise ça, faut que j'utilise le... Faut que je l'endorme. Il est où? Quand est-ce que je peux le toucher là? Ah.
Allô? Ah là 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 là, putain, cette caméra de... Moi, je vais pas y arriver. Ah putain! Oh, ça va être dur. Déjà que je prenne une direction. C'est chiant, faut déjà donner une direction avant d'appuyer sur X pour pouvoir courir. Pas évident. Comment je fais? Yes. Ah, je l'ai touché une fois. Super, on est content. C'est vrai que ça fait très musique de Tekken. Tekken 3 même, plus précisément. Oh quoi que non, les autres sont Tekken tout court. Hein. Il est où? Oh putain! Putain, j'ai du mal. On a pas de greedy. Me contre Namor, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je me rappelle que j'avais tellement galéré. C'est ça qu'on peut lui faire un petit peu de CQC. Plus de bandage. Ah putain de chien. Là c'est pas un truc. Si. Ah merde, c'est du RGB. J'aurais jamais assez de boulettes. T'as qu'un mauvais flingue. Non mais en fait c'est le seul truc qui est efficace parce que il peut pas mourir et régénère sa santé si je me souviens bien. Donc il faut l'avoir au somnifère lui en fait. Je me souviens j'avais galéré la première fois avant de comprendre ça déjà. Quand j'avais joué à l'époque. «
Qu'est-ce que je gâche comme balle, putain. Oh, sans déconner. Après, il me restera le corps à corps pour le sonner, mais bon. Putain, non. Ça se fait qu'il le vise pas automatiquement. Oh, je suis mauvais, c'est un truc de fou. Puis je dois réfléchir à chacune de mes actions parce que je j'ai tellement plus le gameplay dans la tête que rien n'est instinctif ni rien n'est automatique. De réfléchir à chacune de mes inputs, c'est très très chiant. Putain, mais vas-y. Comment j'ai plus de balles? Oh, c'est joli ce que j'ai fait. Putain, je tire dans ses couteaux, mais c'est pas ça que je veux faire. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un écran noir. Je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai eu un écran noir d'un coup. Il n'y a plus de jeu. J'ai mis les thermal Google. Ah putain, non, c'est pas grave. Raiden ! Eh ben, c'est pas gagné. À l'entrée. Super. Merde, c'est pas. Ah. J'ai pris le mauvais flingue. Voilà, donc là, je viens de le toucher avec le flingue normal et normalement, il va régénérer sa vie. Ou pas. Ah non, il régène pas sa vie. Donc quoi qu'il en soit, je me suis gouré de... Mais attendez. Je crois qu'il fallait à tout prix l'avoir au silencieux. Enfin au... On peut l'avoir au gun normal? Et bien sûr, toucher à la tête, ça fait plus mal. Le fait d'avoir mis le truc, le bouton pour courir sur le même bouton que s'accroupir, c'est
on trigger pour faire venir. Attention, il va bouger dans 3, 2, 1. Bon, ça se passe mieux quand même. Ah, du coup, il se soigne pas. Moi, j'étais persuadé qu'il se soignait. Ah, fallait pas arriver devant moi. Ah, il y a des munitions qui apparaissent quand même. Ah putain de chien. Bon. Ah la vache. Il est tellement vif. Ah, je peux pas l'avoir. Hein. Oula. Putain, mais sors ton gun, connard. Il fait le dauphin. Il est où? Ah putain, non! What the hell happened? Right, Raiden! Oh, c'est dur, hein. Putain! Dans la bite. Joanna Sauvage, joueuse de manette, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça me saoule. Attention. Ah, merde. Ah, le beau, cette caméra, putain. Il est où? Je déteste cette caméra de merde. J'hallucine, j'ai rien mis dedans. Mais merde!
Ne tombe pas à l'eau, ne tombe pas à l'eau. C'est tout ce que je te demande. Oh putain. Glorie de fin. Je peux plus. C'est quoi? Ah merde! Je connais pas moi ça! Je peux me tirer? Wow. C'est chiant, j'arrive pas à le target. J'arrive pas à le target auto là, c'est chiant. Je comprends pas comment. Comment on vise automatiquement un ennemi. Ah, ça rame. Wow. Ça rame au chaudron magique. Je sais pas si vous le voyez, mais chez moi ça rame. Ah putain, ça me saoule. Ah là là. Retirer le truc sans. Le truc c'est que. Ça aussi c'est chiant. C'est pour. Pour. Se remettre à bouger sans tirer. Il faut rappeler. Il faut redéquiper le flingue et le redé. Et c'est vraiment. Ah, je suis désolé. Mais des fois voilà quand même quoi. Quand c'est. Le jeu est cool, mais quand il y a des phases d'action comme ça. Excusez-moi, mais. Encore ? Le gameplay est pas pensé pour les phases d'action quoi, donc forcément. Comment ça je suis mort, j'avais plus de ration ? Oh. Wow. Ah, est-ce qu'on va rage quit ? C'est un peu dommage parce que. Hey merde, j'avais encore le mauvais gun. Oh puis je suis dedans, j'essaie de le buter. Je suis dedans, je le bute. Même si on me dit que c'est pas possible, tu peux pas le tuer. C'est vrai qu'on peut pas l'enchaîner. Si jamais arrivé à mi-course, si ça commence à se régénérer sa vie, je le prendrais très mal. Ah mais du coup ça le stun.
J'ai l'impression que le SOCOM il est plus facile à manier que le tranquillisant. Il est plus léger, il se déplace plus vite. Merde. Ah, je vais plus avoir de... Merde. Ah, merde. Il s'est perdu. No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Alors, ce qu'on va faire. J'ai plein d'armes comme ça, moi. Alors, je vais prendre ça. On va bien voir qui va niquer sa mère. Ah ouais d'accord, c'est pas très efficace pour lui. Oh putain la vache, mais par contre ça vise vachement vite. Pourquoi avec celui-là la caméra elle se déplace vachement vite et avec le flingue c'est super lent. Je comprends pas. Non, qu'est-ce qui... Ah putain. Il faut un chargeur à chaque fois, quoi. C'est pas génial, hein. Peut-être le mettre en automatique ou je sais pas quoi. Y'a pas un moyen de changer. Ah, c'est légèrement pour viser. Genre. Merde, j'ai pris une grenade. Quel con. Ah putain, putain la vache, la pression. Ouais. C'est... nul. Hein.
Faut vraiment pas appuyer très fort. Je peux le toucher plusieurs fois. Et merde, fallait bien qu'il me touche. Ma bite. Non! Putain, les boules de merde! Il fait très très mal. C'est infernal. C'est soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement la visée, c'est infernal. Merde. Non. Putain, je peux pas changer mon arme. Putain, c'est chiant ça. Ah, j'ai le lance-grenade aussi, tiens. Putain, le Nikita, le Stinger, putain, vache. Il est où? C'est hyper dur. Jack, what's going on? Answer me. Jack? Jack? Si je lui bourre un Stinger dans la gueule dès là. Plutôt pas mal.
Ah! Ok. Il est où? Je vais me le faire au Stinger, hein, tant pis. Hein. Rien à foutre. America, fuck yeah, tout à fait. Ah, ça va marcher. Merde. Ouais, par contre, ouais. Pas bon. Là, on va. Et si je mets du coulant dans la gueule? Ah, il est empty, c'est pour ça. Ah, le Nikita, ça va être compliqué. Non, c'est bon, lui a bien baissé sa barre, maintenant on va... Mais putain, c'est catastrophique. Je vais sortir de là, je vais plus avoir aucune munition. Tellement j'aurais joué comme une merde. Allez, sors. J'y arrive plus. Merde, on est dans la phase où il fait n'importe quoi. Oh bah c'est radical ça. Bon, on teste un petit peu toutes les armes comme ça. Voilà. Voilà, tout en subtilité. Et on tire la chasse. Ah mince, les animations sont pas lues. Désolé, désolé. Peut-être que maintenant ça marche, je sais pas. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for Arsenal gear. Find Emma on the double.
You've got to get her to install the virus program that the president gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Du coup, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. Yes, sir. Je peux pas croire que je m'en sois sorti. C'était catastrophique, on est d'accord. Mais... au moins j'ai toujours ça. Et aussi une différence par rapport au premier, c'est que dans celui-là, il ne rallonge pas sa barre de vie après avoir battu un boss. Il a déjà la barre de vie à blinde dès le début du jeu. Ah oui, puis il n'y a pas de plan. On n'a pas de plan ici, c'est... oh putain. Putain, les boules. Je sais pas ce que j'ai pris. Ah merde! Il y a plein de petits trucs cachés ici. Bah c'est de là que je viens, merde! C'est ça, hein. Ah! Ah merde, super. Allô, Nod. J'ai rien, j'ai pissé. Forcément, moi je bois une tisane avant de commencer. Ah donc c'est bon, du coup j'ai trouvé la... Je viens d'où... La porte là, descendu là... Ok. Du coup j'ai pris les... J'ai pris tous les... Toutes les surprises. Je préfère m'en assurer avant de... J'ai pas pris un truc là.
Joli dauphin. Le meilleur ami des enfants. Va trouver ton destin. Des placards qu'on peut ouvrir, ça? Ah bah oui, elle est dedans. TDR. Comme son frangin, elle se pisse dessus aussi, non? Je sais plus. Ah oui. Mais sauf que là, tout de suite, c'est... C'est différent. Ouais, c'est au token avec une petite cheval, quoi. Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to help. Salut Yanis. Tu vas essayer d'entrer un jour, peut-être. I'll prove it. Do you have nanos? What? Well, do you? I do. Everybody on this project has them. Okay, good. Let's try. Can you hear me now? Nano communication? That's right. I have nano machines too. Then you're not one of them. That's what I've been trying to tell you. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I understand you're the only one who might be able to do it. And who told you that? The president. Really? I need you to come with me to Shell One. Your brother's waiting for you there. My brother? Come on, we have to get moving. This place will be flooded soon. Allez, pull pipi, viens avec moi. Tu veux déjà... Oui, à l'époque, je l'ai beaucoup fait à l'époque. J'avais même fait une run avec tous les dog tags. Enfin, presque tous les dog tags. Mais c'était en 2007, hein, donc c'est il y a un moment. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Tu peux swim. Tu as aimé ça. Comment sais-tu? Ton frère m'a dit. Il est vraiment ici? C'est vrai. Il est ici pour te rescuer. Je ne crois pas. Il ne viendrait jamais pour moi. Et je te dis qu'il est ici, waiting for us. Tu speedrun MGS3? Non! MGS3, c'est mon préféré de la saga. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later, but first we have to get out of here. No, I hate water. It's hopeless. I can't swim. Du coup, moi personnellement, je suis extrêmement rouillé et j'ai plus du tout le gameplay, alors que ça fait un moment que j'ai repris, mais extrêmement rouillé, j'ai beaucoup de mal avec le gameplay. You know you can swim. Alors qu'à l'époque, je me débrouillais bien mieux. Alright, then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma. Just hold your breath. I'll do the rest. First, we'll head to filter chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Je t'assomme et on y va. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Retiens de l'inspiration, je fais le reste. Titre de mauvais pour nous. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Hang on tight. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. One. Two. J'ai aussi de mauvais souvenirs de ce passage. What is it?
Les loucaves. Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. Hmm? I wear them for show. Trying to be different from the other. C'est pas sauver Willy, c'est sauver Ii. No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? Ah oui, c'est vrai qu'il a non. No. Somebody more important. Le complexe du grand frère. Anyway, they bring me luck. I see. Okay, let's go. Let's go. Ah puis c'est vrai qu'elle a une barre de merde elle. On voit déjà. Je peux pas lui mettre une claque et hop c'est parti. Ah attends, il faut que je lui dise un truc ou quoi? Elle vient avec moi ou? Ah oui. Je suis un énorme pigeon de Konami, j'adore leurs jeux et musicaux aussi. Ah bah. Tu dois être déçu alors parce que maintenant Konami c'est plus trop ça quoi. Puis qu'ils ont arrêté de faire des jeux. You did good. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. Après moi j'étais plus dans la team Resident Evil Capcom, donc Silent Hill, j'avais juste fait la démo du 1 sur PlayStation 1. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. J'avais un pote qui l'avait, donc j'avais fait un petit peu avec lui, mais... Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. Et j'ai eu le 2 sur PS2, mais j'y ai encore jamais joué. C'est parti de ces jeux que j'ai depuis plus de 10 ans, mais que j'ai jamais lancé. Voilà. Ouais. Bien sûr, c'était du cinéma. C'est absolument pas mon fantasme, mais je n'ai jamais mouillé ma culotte en imaginant un truc. I never had a family. Je ne me suis jamais branlé sur ma sœur, mais j'imagine que voilà. Raiden, what's your status? Oh, yeah, yeah. Japon, ça va être. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah. Ah oui, il faut faire Ghost Trick, bien sûr. Ghost Trick énorme. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. Ah putain, mission d'escorte, j'adore ça. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my codec as a relay. Here she is. How? Is that you? How? EE. Ah, j'en pense à un truc. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me, why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you.
I wanted to see you suffer. E.E.? You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon? Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. I... Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemy's aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry, I'll get her there. Ouais, il veut Louis Vine aussi, très bien. Donc c'est bien ça, il faut la... Voilà, ouais, c'est ça. Bon, allez bien, ça suffit maintenant, hein. Ah, Symphony of the Night, j'ai toujours voulu y jouer à l'époque. Et aujourd'hui, le jeu coûte un bras, mais je l'ai eu à 10 balles sur le PSN. On le fassera un jour. Et quel âge, Anou? J'ai 40 ans. This disc is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the president give it to you? Huh? Did something happen to the president? Oui, il fit rush aussi, j'ai beaucoup aimé il fit rush. D'ailleurs, il va probablement y avoir un deuxième, hein, vu que le studio est reparti. Et j'ai très hâte. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. What the fuck? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, I... How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The president said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system is a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, les gens, il y avait pas encore de théorie du complot sur Internet. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet. 26 letters, right? It could have been 30 letters. Alphabet, l'autre nom de Google? Enfin, la maison mère de Google? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right. That's what was announced at the turn of the century. But there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself?
There are research organizations. Of course. And their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hamets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear Project. That's not the only reason. What do you mean? Huh. I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program using the internet at full capacity. The program was distributed to every government organization, every key facility throughout. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible! Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists. Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? Ah oui, je l'ai vu, oui. That noisy overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Okay. Good. Did you know that j'ai failli lui coller une balle, mais il va bien. Take a canary into the mine shafts to detect toxic gas. That's what he's for? No, I really needed someone to talk to. Right, I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. Ah, et bien sûr, toutes les mines vont être, seront revenues, j'imagine. What are those sticks in your head? These? Bah, c'est pour manger. They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. C'est le moment de draguer, bien sûr. J'ai l'impression que les gens ont juste vu une vidéo sur internet qui ont changé leur point de vue. Donc c'était mieux avant, par exemple, pour du copyright. Oula, dis donc, ça discute bien. Ça fait plaisir, je t'ai connu grâce à Doc Seven il y a longtemps. Et moi, je trouve que les youtubeurs manquent d'intérêt aujourd'hui, Twitch est impassible. Ah bah, ça c'est une discussion. Des discussions qu'on a souvent en début de stream. Et oui, c'est un peu triste ce qu'est devenu la plateforme, je suis d'accord, mais bon. Il y a des gens comme moi, on a encore quelques-uns quand même à essayer de continuer à faire les choses bien et à essayer de faire des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'on est noyé par pas mal de conneries.
fait plaisir parce qu'on se sent moins seul avec les mêmes. Mais les mêmes sont en toi, tu sais, les mêmes sont en chacun de nous. Donc, c'est toujours bien de les voir à l'extérieur de nous-mêmes, via Internet. Je dis des choses trop pendant les discussions. Elle a quel âge, c'est un peu... Je sais pas, Emma, j'en sais rien. Elle a la vingtaine, j'irais, mais Raiden aussi, il est pas jeune, hein. Il est pas vieux. Hein. C'est une déesse de 300 ans. Personne n'a la ref quand je dis des trucs d'internet. Ah bah ça arrive. Ça arrive. Ah oui, c'est vrai, il faut balayer. Attendez, je suis mal parti. On est mal parti, on est parti d'un très mauvais pied. Voilà. On va, attendez. C'est parti, c'est vrai qu'il faut mitrailler le bouton. Lève-toi et marche. En bas. Oh là, je vois rien. Emma! Les élèves ont plus la rêve de la cité de la peur. Ah, c'est ça, hein, le renouvellement des générations, les gens. Eh oui, hein. Faut l'accepter, hein. Moi, je suis tonton. Alors, il y a des trucs... Ah, merde. Quel con. Ah, putain. Emma, tiens le coup. Emma, ya, ya. Non, non. Non, non, ah! Ça va? Ça va aller. Ah! Du coup, je ferai plaisir. Attends, j'autorise ton commentaire parce qu'il était... Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé avec... Désolé, je valide pas le message. Ah bon? Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu le message. Désolé. Ah oui, c'est vrai, il faut que je le prenne par la main. Allez! Allez, ça suffit maintenant. T'auras pas ton jouet, on sort du magasin. Ah putain. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est pour ça qu'il y a des insectes un peu partout. Maintenant. Ah, il y avait un terme, ouais. Mais il faut faire attention avec les termes sur Twitch. Il y a des mots sensibles qui peuvent faire bannir ma chaîne. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Merci coach. Il faut pas le prendre mal, hein. Faut pas le prendre mal, c'est les règles d'une plateforme états-unienne puritaine qu'on nous impose de force. Bah, si tu parles de coq, c'est encore pire.
Allez hop. Mais bizarrement celui-là il a pointé. Il a pas été pointé. Zizi zigouillez. Et oui, parce que c'est du comique. C'est très drôle. Zizi zigouillez. Ah oui, alors attends. Je vais déjà endormir 2-3 personnes. On se retrouve après. Il est là. Putain, oui, il est là. Oh putain. Oh là 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 là. Ouais, bon, c'est foutu. Je vais me buter. Viens avec moi. Putain, où j'enlève le gun. Merde, 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 merde. Ah, il va se tourner maintenant, ça sert à rien que j'y aille. C'est catastrophique, putain. Mon gameplay est catastrophique. Je suis tellement honteux. D'accord que je l'ai pas. Merde. Ah, c'est pas par là, putain, fais chier. C'est pas comme ça qu'on fait pour... Tiens. Quel bouton déjà ? Ah merde, il y a lui aussi. Ah putain ! Ouais non, attends, je vais la refaire depuis le début, tuez-moi. Que je sais plus du tout le gameplay, je fais n'importe quoi. Ah merde. Non mais non. What? Mais pourquoi il prend les rations? Arrête de prendre les rations, fils de pute. Infiltration, c'est pas... Ah non, mais j'ai vraiment beaucoup de mal de me remettre dans le gameplay. Hein.
C'est un truc de dingue. Voilà, bon bref. On y retourne. Non, pas de coulant. Merde, comment je sors de là? Putain, non! Et aussi le fait que à l'ancienne c'est rond pour valider et croix pour annuler. Ça aussi on n'a plus l'habitude à l'heure actuelle dans les jeux. C'est plutôt l'inverse normalement. Bon bref. Détends-toi mon gars. Est-ce qu'il a pas un petit truc à me donner? Comment on lui prend déjà? Ah oui, c'est carré. Nikita, petite flair déjà là. Alors, normalement, si je me mets de là... Oh, il y a quoi là? Des bandages. Ah non, c'est de la pantomime. Bon. Je vais déjà ramener Emma. Le reste après. Socom. Elle est où? Ah, j'ai laissé dans. J'ai laissé dans l'ascenseur, c'est vrai. Mais what? Viens. Ah, le temps que l'animation se déclenche et tout ça et tout. Ah merde, mais y'a un mec du coup là. Même pas fait gaffe. What the fuck. Merde, putain. Bon, je casse des gueules, c'est parti. Merde. Oh là là, je suis tellement nul. Laissez-moi enlever ça. On va la refaire, on va la refaire. Putain, c'est... C'est catastrophique mon gameplay, c'est fou. J'y arrive, c'est vraiment pas dedans. Hein. Ah d'accord, c'est quand je ramène Emma qui se trigger. Et... Hey.
Qui m'a vu? Ah merde, il y a quelqu'un. Putain! Bon, c'est encore pas pour cette fois. Oh, je jouais mieux la semaine dernière. Il a fait la visée auto. On se plaint des quêtes de mission impossibles et autres en escorte, mais là c'est pas ouf. Ah ouais, non, là, c'est clair. C'est pas... c'est un peu la purge. Attention, 3, 4, retourne-toi. Oh putain. Oh le coup de chat. Viens, tout de suite. Viens, vite. Qui se déplace en victime de... On dirait le mec qui a perdu ses lunettes. Ouf, bon, on va sauvegarder. Hein. Oh mon dieu. Rose, ça fait longtemps, dis donc. Ah, oh, Rose. What can I do for you, Jack? Oh, bah, me raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec la situation et me faire perdre du temps. Non? Ça fait déjà 10 heures de jeu, quoi. Jack, about trying to break into your room. Rose, just forget about it. No, listen to me. I said I did it because I was worried about you, but it wasn't just that. What? I was suspicious. I thought there might be someone else. Someone else? Another woman. Rose. I really I am so, the other woman. Sometimes you're so horribly cold. You know I wouldn't. I'm serious. Sometimes I feel like you're pushing me away. So I... Did you get in? Yeah. Are you satisfied now? Et tu as vu mes poupées crucifiées au mur? No. Et mon caca? No, there was no one there. Dans un bocal? There was absolutely no one in your room. Not another woman, not me, not even you. Rose. I'm sorry. I just wanted to apologize, that's all. Talk to you later. D'accord. Ryden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean surface from that strut. Ok. Et les autres, et Mr. X. Il n'est plus là. Ryden. Take Emma and head for Strut L. D'accord.